chapitre 41, le verset 33e. Jusqu'au 41e. Mais moi je lirai d'abord 33, je saute 38 pour que cela ne soit pas fastidieux. Genèse 41, 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Je saute rapidement pour prendre 37 et descendre. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit des dieux ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. » Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Nous prions que Dieu bénisse encore cette activité au travers de son organisateur, le pasteur Dudunzi. Et cela, bien sûr, en passant par l'édification de tous les participants, car si les gens se retrouvent, c'est que la volonté de Dieu est atteinte. Si nous arrivons à toucher ce que Dieu a prévu, c'est que quelque part nous avons atteint l'objectif de Dieu. Que Dieu bénisse les éminents hommes de Dieu si présents. Il nous est demandé de partager ensemble sur l'émergence au travers l'intelligence et la sagesse. Je réfléchis beaucoup par rapport à ce mot émergence. Je pense que quand on ne sait pas ce que l'on veut, on ne peut pas bien atteindre cela. Quand on ne sait pas ce que l'on veut, déjà la route est faussée pour atteindre les objectifs. Or, quand on parle d'émerger, facilement je me dis c'est sortir la tête de l'eau. Parce que immerger, c'est faire entrer dans l'eau. Émerger, faire sortir de l'eau. Naturellement, l'homme n'est pas créé pour vivre sous l'eau. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau qui empêche l'homme de vivre? L'insuffisance de l'oxygène. C'est l'insuffisance de l'oxygène. Au-dessus, il y a plus d'oxygène qu'en dessous de l'eau. C'est qu'un ministère émergent, c'est un ministère qui respire bien. Ça me paraît plus facile comme ça. Mais un ministère non émergent, c'est un ministère qui respire difficilement. Deuxièmement,
Un ministère émergent. Le temps où est au matin. Comme c'est sorti de l'eau et du lot. Le coup la copine la cachamaï peut déballer. Ok. Merci. Comme c'est sorti de l'eau et du lot. Amen. Le bouquet maï. Et bimina maï peut bimina li bouquet. Atteignant à se distinguer. Les autres vont le remarquer. Sur base de ces deux éléments, bien respirer et être vu par les autres, je me dis, il faut faire attention. Je ne vois pas assez de ministères émergents. Par rapport à moi. Respirez bien. Réfléchis seulement. Avons-nous des ministères qui organisent de grandes activités sans appel de vente? Deuxièmement, nous engageons-nous dans une nouvelle année avec le budget établi pour réaliser le plan d'action annuel. La réponse à ces questions nous montre que nous respirons difficilement. De l'autre côté, est-ce que nous sommes vus par les autres? Parce que si un autre poisson me voit, mais nous sommes tous en dessous de l'eau. Mais quand on émerge, ce sont les bateaux, les oiseaux qui te voient. Réfléchissons à cela. Je bénis le Seigneur, par exemple, pour les hommes de Dieu qui émergent et on ne peut pas le nier. Quand les Martiniquais font des invitations pour inviter le pasteur Marcelo, ils l'ont remarqué. C'est pas un Congolais qui l'a invité. Quand les Brésiliens se réunissent, ils disent non, on va inviter le prophète Néma. Ça, ce sont des éléments à ne pas négliger. Bien-aimés, nous sommes encore loin du processus de l'émergence. C'est facile de t'encourager, de te motiver, mais pour faire quoi? Pour être retraité comme champion de l'EPFKIN. Tu finis ta carrière seulement à l'entente provinciale de Kinshasa. Alors que sur le plan du talent, tu as le même talent que les autres qui émergent dans les Champions League. Mais le problème, c'est l'émergence. Quand tu ne connais pas ce que c'est que l'émergence, voici comment tu vas faire. Tu feras comme nous autres on a fait. 80% du ministère, c'est la prière, la prière, la prière, parce qu'on croyait que les miracles, c'est ce qui va nous faire émerger. Or, la prière n'a fait qu'aiguiser ce qu'on avait, mais la valeur viendra du marché où tu l'exposeras. Oui. Bien aimé.
C'est avec fardeau qu'il faut se dire ces vérités. Donner des révélations, c'est plus facile. C'est comme jongler avec un ballon. On appelle ça aujourd'hui le freestyle. Tous les champions freestyle ne sont pas de grands footballeurs. Comment tu veux te spécialiser dans ce qui ne donne pas de trophée? Émerger, c'est bien respirer. Socialement, physiquement, financièrement, humainement. Deuxièmement, émerger. C'est sortir du lot pour être remarqué. C'est ainsi que Joseph, pour moi, c'est un ministre qui a émergé. Parce qu'avant ici, il était sous l'eau. Dans la prison avec son don. Avec son don. Il était employé chez Potiphar avec son don. Remarque bien, réfléchis sur cette phrase. Dieu bénit la maison du Potiphar à cause de Joseph. Quand j'étais enfant, je disais, voilà, c'est ma grâce. Et quand je grandis, je dis, non, qui profite, c'est Potiphar. Ah oui. Il faut que Jacob lui dise, quand est-ce que tu travailleras pour ton propre compte? Tu ne peux pas émerger en étant utilisé par les autres. L'émergence existe. Mais pour que ce Joseph puisse émerger, parce que pendant tout ce temps-là, il était toujours l'esclave sans nom de Potiphar. La preuve, c'est que quand les chansons parlent de lui auprès de Pharaon, il dit, quand j'étais en prison, j'ai rencontré un esclave. Il n'a pas cité de nom. Il n'avait pas de nom. C'est pourquoi Pharaon lui donnera Tsafna Paneach. C'est qu'un ministère qui a émergé, c'est un ministère qui a un nom. Or, quand on parle du nom, on parle de l'identité. Plusieurs parlent de la foi, mais il y a d'autres qui, de la manière dont ils ont émergé en parlant de la foi, c'est comme si la foi devient leur vie. Quand je ferme les yeux, on me dit prédicateur de la foi. Je vois Tilly Jex. Je vois Oedé pour. Mais il y en a des milliers. Pourquoi je ne les cite pas? Ils n'ont pas encore émergé. Salomon. Ils n'ont pas encore émergé. Et pour que Joseph puisse émerger, il lui fallait l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi Pharaon dira, où trouverons-nous un homme intelligent et sage? Si on le trouve, on l'établit au-dessus des autres. C'est que l'émergence est le fruit d'un travail. Ce n'est pas un don spirituel. Les dons, on les demande. Le fruit, on cultive l'arbre qui le produit. Je
Je répète encore. Le don, on le dérobe. Mais le fruit, on cultive l'arbre qui le produit. Maïs Chavda. Maïs Chavda. Le promoteur de votre école, Docteur Outsma. Docteur Outsma. David Chiblé. David Chiblé. Je n'ai plus beaucoup de noms de ceux que nous avons recherchés pour qu'on reçoive leurs impositions. On s'est bagarré pour avoir leurs impositions. Il n'y a pas eu d'émergence par imposition des mains. On n'a jamais eu d'émergence parce qu'on a reçu l'imposition. On croyait qu'il va t'imposer, tu seras impacté. Voilà le mot. Remarquez même ceux qui étaient trop kokweisa. Balemba bango na kokweisa, pe batika na bango kokweisa bango. Il n'y a pas eu d'émergence. Parce que c'était dans le domaine de la grâce. Alors que l'émergence est dans le domaine du travail. Moi, je me disais au Nigeria, c'est chaque culte qu'il y a des paralytiques qui marchent. Là, c'est faux. Ils font des cultes exactement comme eux. Mais ils mettent une certaine intelligence en application qui est très très différente de nous et qui les fait émerger. Bien-aimé, n'oublie jamais l'avion que tu vois. Regarde ça, mais dis-toi, c'est d'abord une intelligence que je n'ai pas. Il faudra que la voiture, le camion, le bus, en regardant l'avion, dise, il a sûrement quelque chose que moi je n'ai pas. Et nous, au lieu de demander qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas, regarde nos prédicateurs préférés. Ne t'en fais pas. Il a des roues, toi aussi tu as des roues. Il a des pneus. Toi aussi tu as des roues. Même en avion ou en camion, nous arrivons nous tous. Nous avons écouté les gens qui ont banalisé l'intelligence et les efforts des autres. Ainsi nous sommes devenus sorciers par rapport à nous-mêmes. Papa, on ne peut pas réinventer la roue. C'est lui qui a déjà fait. Il est une intelligence à intégrer dans sa vie. C'est ainsi que nous passons plus de temps à bafouer l'intelligence alors que nous prétendons émerger. Ça, c'est un problème pas d'aujourd'hui. Qui a des origines lointaines de par nos pères aussi, c'est vrai. Mais l'origine n'a jamais été une excuse. Parce que à l'origine, c'est toujours le Brésil et la grande équipe du football. À l'origine. Mais dans la réalité, en 98, les Français ont dit on va les tenir en échec. C'est ça le grand problème. Et Joseph a émergé par cette intelligence. En quoi consiste l'intelligence? J'aimerais dire seulement deux choses importantes. L'intelligence nous permet d'abord de poser les meilleures questions. Ça, je le dis même sur le plan de notre pays. La faiblesse congolaise, c'est qu'on ne pose pas les bonnes questions. On pose des questions.
mais souvent pas les bonnes. Avec une mauvaise question, même quand on répond très bien, mais la réponse ne sera pas profitable car la question a été mal posée. Exemple. Qui te dit qu'avoir une grande assemblée, c'est avoir Dieu? Mais tu poses mal la question. Parce que qui te dit aussi que ceux qui n'ont pas de, ceux qui ont de grandes assemblées sont tous en dehors de Dieu? Avoir Dieu, c'est un autre registre. Et avoir une grande assemblée, c'est aussi un autre registre. Mais nous nous faisons la confusion. Nous ne posons pas les bonnes questions. Tu verras, nous qui sommes jeunes, chercher un grand. Et quel est le secret de ton ministère? Sachant que les secrets ne sont que les épices de ce que l'on prépare. Or, les épices sont choisies par rapport à la nature du repas. C'est ainsi qu'il me dira, mes épices à moi, mon secret à moi, c'est l'huile, oignon, des cubes, feuilles de laurier. Mais ça, c'est pour les haricots. Et comme j'intègre cela dans ma vie, moi qui suis que feuille de manioc. Voilà pourquoi je ne peux pas émerger. J'ai l'envie de connaître, mais il y a des prérequis, il y a des préalables. L'intelligence doit nous permettre de poser d'abord les bonnes questions. Pourquoi je n'avance pas? Qu'est-ce que moi j'ai que les gens peuvent profiter de ça? C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. Joseph a dit, le problème que tu as rêvé, c'est qu'il y aura la famine. L'intelligence te permet de mieux comprendre le problème. De ne pas te tromper sur les symptômes au lieu de faire un vrai diagnostic. Deuxième élément. J'arrive à la fin, je demande à quelqu'un. J'aimerais voir Chris Ambassi. Il me dit, mais Azaka wa te a Azaka avec extension naï. Donc, pour moi, il était là-bas. Il est toujours au Nigeria, mais ses extensions, il en a 263 en Afrique du Sud. Azana 263 cellules en Afrique du Sud. Avec des ampleurs impossibles. J'ai prié. Vous priez peut amener mon cancer. Ça veut dire l'obaka ya l'obaka kayamabe. Fatigué avec la faim. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, mais pas directement. Je ne veux pas. Par une autre personne. Je sors, je m'assois. Je vois le frère blanc qui était là. Et quand le frère congolais aussi, qui était leur chef, passé, je l'interpelle. Est-ce qu'on peut partager? Vous êtes prêtre catholique. Si quelqu'un te dit que Dieu me demande de faire des grandes choses, mais que je n'ai pas le moyen, quelle sera ta réponse? Il me dit deux choses. Premièrement, quand Dieu a envoyé Abraham, il ne lui a rien donné. Deuxièmement, il m'a donné son témoignage. Comment il a commencé à combattre l'érosion.
et que le passant commençait maintenant à lui donner des sacs et de l'argent, il a fait un grand travail. Et bongo balé qui babali ko pesé bambongo ya ba sac ndé avalé ko sala misa. En d'autres termes, c'est en faisant un travail par rapport à la vision qu'on a que la provision vient. Peut-être na ko sala mosana ko balé et moi c'est ko tozana ko ndé lisungé ko yaka. Je suis rentré, j'ai prié, Dieu me dira cette phrase. Tu ne feras jamais un grand ministère si tu ne te donnes pas à toi-même le moyen de le faire. Si tu ne te donnes pas à toi-même le moyen de le faire. C'est que Oyakilome s'était donné le moyen de faire un grand ministère. Les Congolais ont commencé à voyager avec l'évangile bien avant beaucoup de peuples. Et quand on le bénissait, il venait avec des voitures et des instruments pour montrer comment Dieu est bon. C'était bien, mais ce n'était pas une attitude des gens qui voulaient émerger. Je vous donne un exemple simple. À Kinshasa, Kinshasa, on a nos grands, nos aînés sont des grands évangélistes. Les premiers instruments dignes de campagne d'évangélisation, c'est celui de l'évangéliste Kiziamina, mais c'était seulement le baf. Seulement le baf. Tout ce qui se passait à Kamaniola à l'époque, c'était toujours un assemblage. On prend chez Marai Marai. On prend le baf chez Kiziamina. C'est comme ça qu'on arrive à sonoriser le stade. Donc pour dire quoi, on a les moyens, on ne se donne pas les moyens pour faire des grands ministères. Toi tu penses que ton ministère c'est quatre murs, c'est pourquoi tu te poumons à décorer, c'est bien. Mais après avoir fait ça, pense au corps du Christ, pense à ta carrière, pense au ministère vrai que Dieu t'a donné. Et investis-toi. Nous rêvons et nous continuerons à rêver malheureusement. Pourquoi? Les modèles sont des modèles déroutés. Deuxièmement, nos fréquentations sont des fréquentations très très hybrides, mélangées. C'est ce qui fait qu'on émerge. Mais il n'y a pas que l'intelligence qui peut venir par les études, par les fréquentations, mais plus par la réflexion. Parce que tout le monde dit cette phrase actuellement, les diplômes ne sont que des présomptions de savoir. Amen. Diplômes et les autres. La présomption. Présomption. Et le quoi nous sommes. Présomption. Diplôme Ezali. Non, Zélaté. Zélaté. Diplôme Ezali. Photo ça est tout le monde bien. Diplôme Ezali. Ezali, témoignage. Est-ce que au coquet qu'osala na maye, parce que c'est la présomption, ce n'est pas une affirmation. Présomption, c'est une affirmation. C'est ton diplôme mélodie au coquet qu'osala na maye, au coquet. Mais balobi te qu'osala. Le diplôme est une présomption de connaissance. À part cela, il y a aussi la sagesse. La sagesse.
Bien-aimé dans les seigneurs, je ne pense pas que crier au kanga peut amener l'enfant à changer. Si réellement nous voulons que nos assistances changent, révisitons encore notre façon de communiquer la parole de Dieu. Petite réflexion. Anime une séance de prière. Kamba séance mon voile de sang. Bazo beta ma boko, bazo tina basi jama kasi koko sa iner. Mais koko kanzate ke bana na bana vie de prière. Peki sa ma boko koko chance mo te to sa bela 10 minutes au kokati. C'est que assemble la rasou drogue. Drogue ya ma boko na ko bangis. Soto ni l'église assemble, papa. Église ou assemble la, car vous sentez la présence de Dieu quand vous entrez. Ce sont de vérités. Il y a des gens qui pensent prier. Comme un pasteur m'a dit un jour, il va voir son ami Jean-Éric Wangata. Et à son âme. Il dit, on va prier. Ah papa, tu veux prier? Bon, ça va, repose-toi alors. Lui travaille. Et vers 22, c'était le combat. Le combat qu'un esprit qui est dans l'accès côte à côte. Parce que lui, il avait l'habitude de faire 6 heures à genoux. Son ami lui dit, non, repose-toi, il travaille, travaille, travaille. Et vers 22h, il dit, bon, on peut prier, mais il commence à prier. Ils arrivent à 4h. Énergie, si vous avez un peu de temps, et si. J'ai eu une Wangata BTF, ça dit, mon cher, ça t'attendait là que ce qui est au milieu qui au paiement, ce continue au kit. À sentir pena que, à s'amener la kati. Parce qu'à l'heure, c'est là-bas que ça sige. Si j'étais tout ça, il me soit tant à tout le monde. Voilà, tu n'as pas de gang, 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 tu n'as pas de gang. J'ai des soucis. Que tu aies des soucis d'émerger. Et pour cela, il faut la sagesse. J'ai vu la sagesse dans 2 Samuel chapitre 16, 1 à 4. La bonne sagesse dans 2 Samuel chapitre 16, 1 à 4. Chez un homme appelé Tchiba. La Bible dit David ayant un peu dépassé le sommet. Il vit venir à lui Tchiba. Avec 100 ânes battés. Alors que David fuyait Absalom. Tchiba lui dit, je viens à toi. Et David se retourne et dit, mais qu'est-ce que tu viens faire? Tu es le serviteur de Mephibosheth. Pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Tchiba dit, moi j'aimerais te suivre. Et où est Mephibosheth? Tchiba dit, non, il pense qu'on va lui remettre le royaume de son père. Bien aimé dans le Seigneur, je fais une petite parenthèse. N'oublie jamais. Nous avons un peu de temps à jamais côté de nous. Si nous avons un peu de temps à nous, nous avons un peu de temps à nous. Jamais au télé, nous sommes. Quitte nous, les amis. Sagesse. Je donne un exemple. Moutoumoroboué à Koti Awa et que Reverend Doudou lui non, Aza vraiment invité de Marc Nae et Gabo Tchaina Simati. On va lui créer une place. Bako Baksa Kiti Mouboué 4. Bako Fanzi la place dans la terre. Yopé Tchamona Moutouna Yo. Qu'est-ce que tu as dit au niveau travail ou émergé? On doit place à Moutouté. On doit des places dans Yo Moko. Moutoubo a émergé. A quand ça a été que nous sommes venus au bout de les places. C'est ce qui fait que certaines petites batailles inutiles n'auront pas lieu. Tu ne prendras pas ma place. Tu ne prendrais pas ta place. Mais nous serons tous ensemble.
dans le panthéon de gens qui ont émergé. Chiba, où est Mephibosheth? Chiba, what is Mephibosheth? Il pense qu'on va lui donner ce qui était à son père. David dira, Mephibosheth, aujourd'hui, Lilo, tu vas émerger. J'aimerais parler de Mephibosheth, de Chiba. J'ai appelé l'émergence pourquoi? Chiba était d'abord serviteur de Saül. Après, il est devenu le gérant des terres de Mephibosheth. Mais lui-même n'avait toujours pas de terre. Quand on émerge, on a un nom. Quand on émerge, on n'est plus locataire. On devient propriétaire dans la grâce que Dieu lui a donnée. Et ces jours-là, David lui dit, je te donne les terres de Mephibosheth. Mon seul souci, quelle est la sagesse que Mephibosheth a utilisée afin qu'il émerge par rapport à son ministère? La première des choses, c'est que la sagesse doit te permettre de lire les temps. La sagesse doit te permettre de lire le temps. Ecclésiaste dit, le sage connaît le temps et les jugements qui s'y rapportent. Il connaît le temps et les jugements de son temps. C'est ça le sage. Donc la sagesse doit me permettre de connaître le temps afin que je ne fasse pas l'erreur de Jonathan. Jonathan pouvait émerger. Pendant que son père était roi, il n'avait pas de grands postes dans l'armée. Abner était le chef. Mais un jour dans son dialogue avec David, il a dit, mon père sait que tu seras roi et que moi je serai ton second. Je serai le chef de ton armée. David n'a pas dit mot. Qui ne dit mot? Donc c'est que Jonathan devait remplacer Abner comme le chef de l'armée. Mais pourquoi cela ne s'est pas fait? Parce que quand David fuyait, Jonathan devait le suivre dans la forêt. Il a dit, non, je resterai avec mon père en ville. Et en ville il y a eu guerre. Et il a accompagné son père dans la guerre. Et là il est décédé avec la promesse de l'émergence. Tu te lis à qui pour émerger? Ça c'est très important. La sagesse doit te permettre d'avoir le tableau. Connaître les temps. Bien aimé, pas les gens. Connaître les gens, c'est facile. Mais connaître les temps, ça s'étudie, ça s'escrute. On sonde le temps. On étudie les temps. Ça, c'est la première démarche de celui qui veut sage. Parce que pour émerger, c'est toujours par rapport à un temps bien précis. Chiba a compris le temps. Deuxièmement, Chiba a détecté ce que j'aime. Le besoin de l'heure. Oui. Quand il y a des gens qui émergent, papa, il faut le regarder. Oui. Oiseau émergé, au fait, à l'école, il y en a un nini. T'as au bas d'un avance. Et sagesse est ignose à la humble. Amen. Sagesse est ignose à la mature. Amen. Sagesse est ignose à la équilibre. Amen.
Oyo, a oyo, sanga son, son, a mémé, pas à battre.
Parce que je reste fidèle au principe. Que Dieu vous bénisse.